Eto. 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 Je vais te tutoyer. Je vais te tutoyer. Les autres peuvent parler de toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, ils te connaissent bien. Très bien. Depuis le lycée, mon grand Joseph. Ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là. Petit frère par l'âge. Grand frère par les actes. Le neuf. Tu es le joueur panafricain de tous les temps. Ce que tu viens de montrer aux Africains, c'est l'unité de l'Afrique. Ce que tu viens de montrer aux Africains, toi Samuel et tout. Tu viens de nous passer un message que soutenons le Mali. Soutenons le Burkina, soutenons la Guinée. Parce que ce que tu as fait passer là comme message, Eto, c'est la meilleure photo de l'année. C'est la meilleure photo du monde. Les gens qui te critiquent, moi quand ils te critiquent, c'est parce que tu es d'abord fort. Moi-même, quand même, toi Eto, quand ils te critiquent, c'est parce que tu es d'abord fort. On ne critique que les forts. Eto, si moi je prends mon micro pour te critiquer, Bombo, c'est parce qu'il n'y a pas ton deux. C'est parce qu'il n'y a pas ton deux. Les gens disent, oh, Amer, tu es en train d'insulter et tout. Tu es en train de les critiquer et tout. Moi-même, quand je prends mon micro pour critiquer quelqu'un, c'est d'abord un meilleur. Je ne critique pas les faibles, je ne critique pas les moyens, je critique seulement les gars forts. Mais ce que tu viens de montrer là, Bobo, je te donne le respect aujourd'hui, demain, après-demain. Il ne faut pas qu'on se mange. Et tout ce que tu viens de faire, du jamais vu. C'est-à-dire que là, tu m'as encore démontré une autre phase. C'est-à-dire que toi et toi, tu nous as démontré encore au Cameroun d'une autre phase que non. Tu es le joueur panafricain de tous les temps. Il n'y a pas ton deux. C'est-à-dire que tu viens de faire passer un message à l'Afrique tout entière. Tous derrière le Mali, tous derrière la Guinée, tous derrière le Burkina. Samuel Eto'o, il n'y a que toi pour poser des actes comme ça. Quand j'entends les gens dire que oh, Samuel Eto'o, futur président de la CAF. Non, non, écoute, laisse ça. Président de la CAF, pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que toi, Samuel Eto'o, on te demande d'être président de la CAF. C'est parce qu'ils ont peur. Mais moi, je vais te dire la vérité. Après Biya, ça risque d'être Eto'o. Bobo, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être président d'un pays. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être président. Il y a beaucoup de présidents qui dirigent bien, qui ne sont pas allés longtemps à l'école. Parce que tu as l'art du management. Tu es le président, le meilleur président de la TECAFOOT réuni de tous les temps et de ce qui est encore derrière. Moi, je ne te fais pas la talakou pour te faire la talakou. Tu as démontré par A plus B que le management, tu connais. Bobo, qu'on ne te manque pas, les ancêtres, hein, celui qui t'a lavé à ta naissance, a reçu un don ancestral. Parce que toi et toi, on te voit comme ça. Mais dans ta tête, là, tu as au moins 200 ans. Bobo, tu as au moins 200 ans. Qu'on ne te mente pas. Les gens disent, oh, et toi, pour être président de la CAF, laisse ça. Et toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être président du Cameroun. Que les autres parlent pour parler. Et toi, tu dois être président du Cameroun. Parce que c'est sûr que toi et toi, si tu es président du Cameroun, toi et toi, là, si tu es président du Cameroun, je sais que les gens seront en prison comme ça. Là. Bobo, pour loin qu'elle est mort. Les autres ont sorti leur mouvement que oh, les franquistes. Oh non. Bobo. Ils ne veulent pas te dire la vérité. Tu fais peur à tout le monde. Tu fais peur à tout le monde. Parce qu'avec la photo qu'on vient de voir là, tu viens de nous montrer que tu n'as pas peur des Français. Tu viens de nous montrer que tu n'as pas peur de l'OTAN. Tu viens de nous montrer toi et tout. Tu es d'abord africain. Avec la photo qu'on vient de voir là, ils ont appelé la junte militaire. Mais toi et toi, tu as pris ton courage. Tu as dit que c'est mon frère burkinabé. Je m'en vais le soutenir. Toi et toi, tu as dit que c'est mon frère malien. Tu as allé le soutenir. Toi et toi, tu as dit que c'est mon frère guinéen. Je dois être avec eux. Bombo, il n'y a pas une école au monde où on apprend à être président. Un président, la présidence, on est avec. Tu es plus fort que Cabral 1000 fois. Tu es plus fort que Kanto 1000 fois. Après Biya, ça risque d'être toi. Bombo, commence à te préparer. On veut te réduire en te disant que tu seras président de la CAF. Bobo, laisse ça. Tu nous as démontré par A plus B. En matin, ça dit que la fédération la plus compliquée au Cameroun, la fédération camerounaise de football, tu as réglementé ça. Bobo, il faut qu'on te donne le ministère des Finances.
Je ne sais pas pourquoi les gens tournent. Il faut qu'on te donne le ministère des Finances. Parce qu'il y a beaucoup de réglementations à faire. À même pas le ministère des Finances. Il faut qu'on te donne l'opération, que la direction de l'opération est pervient. Bobo Boulan Kemo. Parce que quand je regarde toi, Samir, quand je regarde la photo, c'est Bobo, tu es courageux. Gars, tu es courageux, qu'on ne te josse pas. Oh, oh, oh. Il dit, toi et toi, tu es courageux, qu'on ne te raconte pas. Moi, mec, Abel a dit, il ne fait pas la talakou à n'importe qui. Quand il te fait la talakou, c'est que toi là, il dit qu'un cabra ne te vaut pas la cheville. Tant que ne te vaut même pas l'orteil. Je dis qu'après Paul Biala, ils n'ont qu'à créer leur mouvement de franquistes, des cabralistes, des camtoyards. Mais toi et toi, tu poses ta candidature en 2025. Crois-moi, tu es président. Les gens ne veulent pas te dire, toi et toi, commence à me mettre dans la tête qu'elle. Tu poses ta candidature en 2025, tu es président. Merde. Tu as compris, Tara? C'est ce que je voulais te dire. Commence à réfléchir. Parce que si toi et toi, tu n'entres pas en politique, toi, tu auras affaire à moi. Parce que tu ne peux pas prendre un talent de management que le Cameroun a besoin. Tu vas, bon, et tout, président de la CAF. Non, Bobo, tu n'es pas là-bas. On te veut pour la direction du Cameroun. Parce que tu as le himlet, tu as la rage, tu as la détermination. Tu n'es pas un pauvre type, tu n'es pas un mandiac. La direction du Cameroun, c'est ce qu'il te faut. Il ne faut pas qu'on te mente. Mm-hmm. Le tout aussi. Bombo, j'ai mon candidat. Le 9. Je pense que ma vidéo aussi. Je pense que la vidéo que je vais faire, demander même, ça veut dire que demander à tous les Camerounais, est-ce que Eto'o a l'étoffe d'être président du Cameroun? Eto'o n'aurions pas encore. Je dis, Eto'o a l'étoffe d'être le successeur de Paul Biya. Nous tournons pour tout du pot. Le gars, il a le courage à dire, le gars, ce qu'il arrive de faire, mon frère, il arrive de manger comme moi, de chop avec les Franco. Comment vous parlez de quoi? Parce que si Eto'o avait peur des Français, c'est qu'il n'est pas là. C'est qu'il n'est pas là-bas. Bobo. Toi et toi, si tu n'es pas président, si tu n'entends pas que tu as envoyé ta candidature. Donc, Tara, je te donne encore tout mon respect. Bon.